bienvenue dans un nouveau vlog, on est lundi matin. Le programme, je dois aller chez Action parce que, bon, déjà, j'ai plus de chaussons et j'aime bien leurs chaussons là-bas. Les miens, là, ils sont complètement pétés, j'en ai marre de me trimballer en chaussettes. J'ai cassé aussi la nuit dernière, je me suis pris les pieds en me réveillant dans la nuit, dans le fil, de ma lampe de chevet. Donc, j'ai plus de lampe de chevet, c'est un peu embêtant quand t'as envie de bouquiner, regarder des vidéos. S'il y en a des sympas, j'en prendrai même deux pour mettre également dans la pièce où il y a le grand miroir. Le truc, c'est que il est prévu une tempête de neige à partir de 16h chez moi. Je crois que c'est dans une trentaine, voire 40 départements. C'est à partir de 16h là, il est 13h. J'ai bien bossé, hein, il est 13h parce que ce matin, j'ai bossé pour la chaîne des box. Je pense que je vais y aller là, de façon à ce que après on puisse tranquillement se poser à la maison pour la présentation de mes petites trouvailles. Voilà, ça peut être sympa. Bon, d'abord, non, tu descends. D'abord, je vais quand même grignoter. Tu descends, s'il te plaît. Il sait que maman va manger. Descends. Sois gentil, Jack. Allez, descends. Voilà, tu attends. Tranquillement. T'es content d'avoir retrouvé maman? Oui. Il a dormi avec moi cette nuit, bébé. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es un chat désobéissant. Tu le sais, ça? Mais vraiment craquant. Allez, des petits céréales bio. C'est rapide à faire. Et c'est très bon. Je vous ai pas montré, au fait. Hier, je suis allée chez, comment ça s'appelle, Newco. Et hallucinant. Alors, j'ai trouvé, c'est un petit débardeur comme ça. J'ai pris taille, genre XL. J'adore, il faut que je sois vraiment à l'aise dedans. Je préfère. J'ai pris celui-ci, Paradise. Et celui-ci, Whatever. Pareil, c'est un petit peu sous forme de débardeur. Ainsi qu'une petite jupette. Et, en fait, j'en ai eu pour 7 euros les 3. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté des fringues d'été parce que je pars aux Antilles prochainement. Merci. Faut vraiment fouiller pour trouver des petites pépites. Je me suis calmée avec ces blocs-là parce que j'en ai tellement, puis j'ai tellement fait de DIY. Faudrait peut-être que je reprenne, je sais que vous aimiez bien. C'est un calendrier qui n'est pas des plus discrets, mais pourquoi pas. Tu peux même mettre la tête de qui tu veux, en fait. Alors, qu'avons-nous comme nouveauté? Bon, là, clairement, on est sur du kitschune, hein, j'avoue. Petit photo fort. On est sur un petit pouf tropical. On a également le pouf pastèque. Voilà, je vous montre parce qu'évidemment, je ne le prendrai pas. Mais c'est quand même plutôt rigolo. C'est amusant, ça. D'accord, et ben c'est pas mal. Tu clipses chaque élément. D'accord, c'est hyper épuré. Il y a 13 pièces. C'est un DIY à faire. Et ben c'est pas mal. J'en ai pas besoin, mais ça peut être utile si vous cherchez ce genre d'horloge un peu, qui change de l'ordinaire, tout simplement. Regardez comme c'est plutôt très sympa. Petites étagères comme ça. C'est en bois pour mettre, je sais pas, des petits légumes, des végétaux. Sympa. Il est également en gris. Gris bleu, on va dire. Alors j'adore ce genre de boule, mais vraiment. Mais là, je sais pas, peut-être que le fait que ce soit noir qui me gêne. Mais oh, j'en avais vu une, c'était où? À cache-cache. Au moment de Noël, qu'est-ce qu'elle était belle. Bon, j'ai trouvé deux petites lampes sympas. Forcément, je ne vous les montre pas. Mais regardez, je trouve que c'est super original. Ça se fixe au mur. Et après, tu peux moduler l'intensité. Donc ça rend comme ça sympa. Hein, elles sont assez originales, je trouve. C'est mini, l'enceinte. Et on a également celui-ci, plus floral. Apparemment, ils ont un nouveau rayon bébé, nouveau-né. C'est trop beau. Oh, ça, c'est trop joli, même à offrir. Ils vendent également, regardez, le petit tipi. Waouh, 18,95. Donc, s'il y a des mamans, franchement, vous avez vu, il y a plusieurs coloris en plus. Regardez, ça, c'est pour. Oh, c'est adorable. Pour venir mesurer, non. Différents coloris. Des petits cadres. Des petites panières. Waouh. Adorable. J'ai trouvé des petits trucs bien sympas. Ça fait deux fois que ça me fait ça au moment de payer. Ma carte ne passe pas. Depuis que j'ai payé le billet d'avion, elle n'aime pas. Donc elle me bloque. Et hier, pareil, la honte à Leclerc. Je fais un plein de course, 58-60 euros. Et là, pareil, à la caisse, ça passe pas. J'avais pas de liquide, j'avais pas de chèque, j'avais rien d'autre. La honte, les gens qui attendent. Et là, coup de bol, ma meilleure amie qui était là, mais c'est vraiment du hasard. On s'est vu comme ça. Donc elle m'a dépanné, elle a payé avec sa carte. Et heureusement,
J'ai essayé juste après, dans le Leclerc, de retirer du liquide. Ça a fonctionné. Donc je ne comprends pas. Donc j'ai pu la rembourser direct parce que ça, j'aime pas du tout. Voilà. Et là, ça vient de me le faire encore. Sinon, au niveau de la tempête, on n'y est pas. En même temps, c'est pas vraiment l'heure. Il y avait une queue de malade devant chez Gémeaux et en fait, il liquide tout, moins 70. C'était un truc de fou. En fait, tout était à moins 70. C'est pour ça que c'était rempli de monde. Les gens faisaient la queue dehors sous la pluie. J'ai trouvé deux paires de chaussures, un petit haut, un pantalon, pyjama, on va dire, 22 euros l'ensemble. Ma carte n'a pas fonctionné, bien sûr. Donc, j'ai demandé si elle pouvait me mettre de côté. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, bah, cachez-le, là, plus ou moins. Mais si un client, entre-temps, le prend, bah, tant pis. Donc, je vais essayer d'aller chercher vite fait une carte. J'espère que c'est encore là où j'ai planqué les trucs. Oh, je suis dégoûtée. Donc, tout est resté dans ma planque. Mais si je fais la queue, je vais le périr. Je vais jamais être là. Bon, c'est trop risqué. Je retente tout à l'heure. Je vous montre par derrière. Je vous montre. Ah, tout ça, là. Tout ça, planqué ici, c'est à moi. Il y a deux paires de pompes. Et ce que vous voyez, 22 euros. Purée, il faut que ça reste. J'ai préféré jouer la sécurité. Là, je l'attends au lycée. Je pense qu'il a fini ses cours dans 5 minutes. Et puis après, bah, on va filer. En espérant, vous avez vu le monde. Oh là 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 là. Bah non, bah, si j'avais fait la queue, j'aurais jamais été à l'heure. Mais espérons qu'il... Oh, je vais même pas lui dire. Je vais l'emmener direct là-bas. En même temps, il y a des trucs qu'il peut regarder aussi. Des baskets, franchement, il y avait de tout. C'est la folie, ce truc-là. Hein. Bon, je suis de retour. Et il y a mes trucs qui sont restés. Bon, bah, je fais la queue. Puis Eric, il est parti voir de son côté. Regardez un petit peu. On est rentré. J'ai fait au moins... Quoi ? J'ai fait au moins une demi-heure de queue. Eric, il a trouvé aussi des petits trucs. Franchement, en tout, on allait pour 50 euros au lieu de 180. Je ne sais plus combien, mais voilà, ça vaut carrément le coup. Je vais vous montrer vite fait. Et bien évidemment, on monte après dans mon bureau ou dans l'autre pièce pour regarder ce que j'ai trouvé chez Action. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est ces petites chaussures. C'est super sympa. Voilà, j'en voulais. Ça tombe vraiment bien avec un petit jean. Bah c'est top. Ensuite je suis à fond, hein, débardeur. Vendredi c'est Friends Party. Très pratique aussi. Il s'est pris des slip Freegan. Alors j'ai trouvé une paire de chaussures. J'avoue que c'est vraiment pas le genre de chaussures que je mets habituellement. Surtout le talon. Mais je sais pas. Il y a à la fois un truc qui me plaît et un autre qui me plaît pas. Faudrait que j'essaie. Ça c'est Eric. Des Reebok rouges. Bon, bah pourquoi pas avec un pantalon un peu slim serré, ça peut le faire. Hein. Elle est pas mal. Hein. Ah bah elle fait super rock. Non, c'est des stations de métro et tout. Oh, elle est fun. Non, attendez. Ensuite j'ai trouvé ça. Il s'agit d'un bas de pyjama très doux et les motifs sont vraiment jolis, hein. Très agréable. Tu es beau, vas-y, danse pour moi. Voilà, c'est très bien. Oh, tu es un mec qui danse, vas-y, avance. Turn around. Ok, stop. Mais t'es con. Bon, bah, elles sont pas discrètes, mais vas-y, marche. Je valide ton look. Baby. Alors, j'en profite pour vous montrer avant qu'il fasse vraiment trop sombre. J'ai quand même trouvé des trucs sympas. Alors, je vais commencer bon, avec bah, les chaussons. Hein, j'y allais pour ça aussi. J'avais pas vraiment le choix. Hein. J'ai pris 36-37. Il y avait, je crois que c'était quasiment les seuls modèles. Ils sont blancs, beige. Voilà, le tout, c'est que ce soit confortable et chaud. Et je pense que c'est vraiment le cas. Et ces petits chaussons coûtent 2,99€. J'ai trouvé cette étagère en bois. Je la trouve tellement jolie. Et derrière, en fait, on a des lanières noires. Avec les petits ronds pour justement suspendre. C'est hyper original. Je vous montre comment c'est mis. Ça rend très très bien, c'est 5 kg maximum. Et vous voyez, quand on met des petites plantes qui retombent, ça rend vraiment très très bien. Et la couleur du bois me plaît. Les lanières, voilà, se présentent comme ça. Je pense qu'il ne faut pas mettre des trous énormes. Hein. Elle a coûté 2,95€ cette étagère. Ils ne sont pas jolis, franchement, les petits pois blancs. Et les autres, c'est bleu marine. Ça, j'adore. C'est toujours pratique. Et ils ont coûté 99 centimes les deux.
J'ai trouvé une des deux lampes. C'était pas ce que je voulais à la base. Mais je la trouve très jolie quand même. Vous voyez, l'abat-jour est en velours vert. C'est un beau vert et le pied est gold. Cette petite lampe coûte 6,49€. Ensuite, j'ai pris ce pied de lampe. Il existait en blanc, il n'était pas terrible, noir pareil. Je l'ai pris en gris et vous voyez, c'est un rendu qui est mat. Je ne savais pas trop. Je l'ai associé avec cet abat-jour et j'ai trouvé que l'ensemble était plutôt très joli. L'abat-jour m'a coûté 4,49€. Et le petit pied, 5,95€. J'ai pris du washi tape, évidemment. Ils sont mignons, hein. C'est par 3. 89 centimes, voilà. Je vais me faire un petit goûter tout en faisant du montage. Là, il faut que je me mette les coins. 5 heures, je pense que je vais bosser pendant 2 bonnes heures à peu près pour bien m'avancer. Hop. Bon, il est 7h30, je fais une pause. On va regarder si c'est la tempête. Alors, effectivement, il pleut. Mais je ne vois pas la neige. Non, pas encore. Alors, je vous montre un peu. Je vais me faire, vous savez, des petites macaines côté bistrot avec... J'en mange très rarement, mais j'aime ça énormément. Carpaccio, on en trouve très peu souvent. Et bon, ça va faire trop. Hein. Voilà. J'adore ça aussi. Je vais clôturer le vlog maintenant. J'ai retiré toutes mes extensions. Voilà, donc ça me fait bizarre. J'ai les cheveux tout. Mais je voulais le faire vu que je pense que cette semaine, on va reposer d'autres extensions par rapport à mon partenariat. Voilà, donc c'est vrai que c'est agréable après quand tu te passes la main dans les cheveux. Avant d'aller me coucher, je voulais vous montrer l'évolution du temps parce que là, ça y est, la neige est au rendez-vous et c'est plutôt très joli. Allez, on monte, on va voir. Je vais pas allumer mon bureau, sinon on verra pas. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Regardez-moi cette neige. Demain, je vais faire des photos. Je pense qu'elle va tenir. Hein. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.